Imaginez juste que j'ai pas du tout préparé la scène. Voilà. Ah si. Ah si, quasiment tout est prêt. J'ai lancé le titre. J'ai changé le titre et j'ai importé la réaction au trait de Loki sur YouTube pour le 7 du coup. Là, faut que je mette pour le 8, faut que je mette la partie LOL qui arrive juste après. Attendez. League of Legends, importe-toi tranquillement mon frérot. Et après, il faudra évidemment que je mette les rediffusions d'aujourd'hui également, les amis. Petit jeu de Switch. Pas vous mentir que les jeux de Switch, c'est pas aussi facile à stream qu'avant maintenant. Hop. Voilà. Il faut une manette peut-être. Pour que je puisse jouer. Mais pardon, j'ai surtout pas fermé CS. Je peux fermer CS ? Quitter vers le bureau, ouais, peut-être faire mes CS, peut-être éviter de faire tourner tous les jeux du monde non plus sur PC, quoi. Je sais que le PC est puissant, mais on n'est pas à ce stade-là quand même. Donc, les amis, Pokémon Écarlate, c'est quoi? Bah, déjà, c'est pas fair, c'est un jeu sur Switch, tout simplement, où on joue un gamin qui va aller en cours. Et concrètement, on arrive dans l'équivalent de Madrid, voilà. Et notre objectif, bah oui, forcément. Bah oui, il cherche Pokémon. Forcément. C'est pas fort. Ah! Ça, c'est devenu un réflexe maintenant, frérot. À cause de toi et. Enfin, voilà. Du coup, notre objectif va être de fouiller la ville avant d'aller à l'école. Voilà, grosso modo. Histoire de bien rappeler à tout le monde que la rentrée, c'est dans un mois. Hein. En septembre, les gars, vous allez tous reprendre le boulot. Hein. Voilà, c'est bien pour vous foutre un peu le seum. Elle bug, la madame en bleu, hein, mais c'est pas très grave. Faut pas trop en demander. Et le temps passe, la météo fluctue, et le comportement des Pokémon sauvages que nous croisons change selon ces deux conditions. D'accord, ça marche, madame. Il n'y a rien ici. J'ai joué il y a tellement de temps que je m'en souviens plus, mais c'est pas grave. Bougez, je m'en tape de ce que vous dites. Mon perso ne sait pas nager, ça fait très RP pour le coup, vu que je ne sais pas nager non plus. Il est immense, ce bassin. Moi aussi, j'ai ma dame y prélassée comme les Magikarp. D'accord. Chacun ses délires, t'inquiète pas. Alors, je sais que la ville est très grande, qu'on peut monter sur les toits, l'Assassin's Creed et tout ça, mais... C'est dans très longtemps, quoi. Tu parles, toi? Non, tu parles pas. D'accord, ça marche. Eh bien, ne parle pas! Toi, toi tu marches sur ton Pokémon. Ah ok, ok, ça marche. A plus, et repose-toi bien, et bonnes vacances, monsieur. Ah, n'oublie pas, en septembre, c'est la rentrée. Pardon. Fais bien dodo pour grandir vite, et un jour, tu verras, ça sera enfin à toi d'aller à l'académie. Je veux aller à l'académie, moi aussi. Ah ouais, la fameuse académie, ouais, tout le monde connaît, t'inquiète. Bon, la bouffe, ça sert à rien, du coup, au final. Il y a un chemin de montagne assez tortueux par là. C'est facile de s'y perdre. Mais si tu parviens à l'autre... Mais si tu parviens à l'autre côté, tu arriveras à Quencia, la ville de l'art. Spoiler, elle est moche et dégueulasse, cette ville de l'art, mais... Bonjour! C'est pour soigner mes Pokémon! Pokéball différents, le mec est déjà perdu quoi. Je ne sais pas si vous savez, mais j'en ai rien à foutre. Allez, salut, à bientôt. On raconte que cette professeure aurait un laboratoire dans le cratère de Paldea. C'est cette célèbre professeure qui a découvert les secrets de la Terra cristallisation. Bonjour. D'accord. Alors, on peut pas rentrer nulle part. Ça, c'est un peu nul, vu qu'on s'y perd facilement. J'espère vraiment que les prochains jeux seront en pixel art. Hein, parce que là, les jeux comme ça... Pas vous mentir que c'est moche. Bienvenue au conservatoire. Bonjour. Je vais acheter des fraises. C'est pour un Poketaria. En vrai, on va acheter juste quelques fraises au nombre de 5, quoi, histoire de dire qu'on a fait des courses, quoi. C'est sûr de dire que si notre maman nous appelle dans le jeu, on lui dira « Maman,
premier truc que j'ai acheté, des fraises. Voilà. Et elle sera d'excellente humeur. Selfie! Cheese! Pardon. Putain, câble. Doucement, je perds la tête. On peut vous parler, vous. Si ça t'intéresse, on cuisinera ensemble à l'occasion, d'accord? Les sandwichs, c'est trop bon! Tout ce que je veux, c'est en manger tous les jours! Ok, ça marche. Oh, foutue ville, quoi. Un enfer à fouiller, hein. Au nord se trouve le quartier résidentiel. Apparemment, ceux qui habitent n'ont pas le droit de loger sur le campus. Et entre nous, c'est bien normal. Oui. Ça reste toujours un truc de merde, votre truc, mais oui. Chez Réseau 4 Oiseaux, on peut acheter des coques pour personnaliser son Moti Smart. Laquelle je vais prendre, j'hésite. On peut acheter que ça? Et votre truc de merde qui est fermé, là. Objet de combat, bonjour. Objet divers, bonjour. Ouais, ok. Oh, ma coque pour ce Moti Smart. Hein. En vrai, on s'en fout, on va garder le fric. Hein. Croyez-moi, on aura bien plus intéressant à acheter à un moment donné, je pense. Ici, on est à Mesaledo. C'est la plus grande ville de Paldea. Oh oui, c'est pour ça que je dis que c'était à Madrid dans le titre. Hein, c'est... Voilà, petite référence, comme Paldea, c'est censé être l'équivalent de l'Espagne. Et vous pensez que quand il y aura plus de pays à faire, ils feront quel pays, du coup, vu qu'il n'y en aura plus, quoi? Un jour, j'arriverai à capturer un Pokémon et j'atteindrai le rang maître. C'est cela. Alors ce qui est nul dans le jeu, c'est qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs maîtres, c'est un simple rang, en fait. Bah en fait, il y a plusieurs maîtres, c'est un peu à chier aussi, mais... Bon bah voilà quoi. Petit recoin sombre là, comme ça, là, dans les rues. Bah alors, ça trafique quoi ici? D'accord, rien du tout. Attends, mais c'est dans cette ville que je vais me perdre. Ah, je me suis perdu. Je devrais peut-être utiliser la carte. Ouais, tu devrais peut-être, ouais. J'ai acheté une vive griffe dans la boutique rouge, là. Quand un Pokémon en tient une, on peut parfois s'attendre à une bonne surprise. Ça me fume. Genre, c'est une bonne surprise, ça. Bonjour, petit Pachiridjou. J'ai acheté un objet chez Réseau 4 Oiseaux et je l'ai donné à mon Pachiridjou. Tu sais pourquoi? C'est parce que les Pokémon peuvent devenir plus forts en fonction de l'objet qu'ils portent. Ça marche, madame. Ce chemin mène à la porte ouest de la ville. Passe par là, si tu veux te rendre à Sévaro. D'accord, ça marche. Des fruits, des légumes et même du riz. On trouve vraiment tout au conservatoire. Je vais pouvoir acheter plein d'ingrédients pour faire des sandwichs à tour de bras. Ok. Par là, c'est un cul-de-sac. On n'y trouve que le troquet à fond. Que le troquet à fond. Ok. Pour te rendre à la porte ouest, passe devant le vendeur de conserve et continue. Ok, ça c'est un cul-de-sac apparemment. Ouais, c'est pas vraiment un cul-de-sac, mais... Quand je mange ici, je sens une aura œuf émaner autour de moi. Ça veut dire que j'aurai plus de chances de trouver un des œufs de Pokémon en pique-niquant. D'accord, madame.